Ça, Silmugu, Ouaga 2000 et Abobodjou Lasso. Des logements extensibles réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Oui, allô? Non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au siège de Abdul Service International. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Savane FM Radio Kanbaga ou Demsen Faram ou Korobaka, Anga, Tata, Folibe, Aubele, Jenny, Salisome, Makambari, Nyefe, Lamine, Guima, Masinkuna, Ame, Folibla, Kaka. Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour l'actualité sur Savane TV. Tout de suite, les titres. Aux assises nationales d'hier, les tractations se sont prolongées à cause de quelques divergences sur le nombre de députés de l'Assemblée législative de la transition et les quotas des composantes de la nation. Les chefs de file de l'opposition politique burkinabé, Eddy Kambiogo, s'expriment sur le sujet. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans ce savant soir également, le défunt président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, a été inhumé cet après-midi au cimetière municipal de Gungin à Ouagadougou. Avant cette inhumation, un hommage national lui a été rendu à la place de la nation à Ouagadougou. Et dans l'actualité internationale, l'Union africaine est préoccupée par les traitements que subissent les Africains qui veulent fuir l'Ukraine en proie à l'invasion militaire russe. Une fois de plus, bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Savane TV. Pour débuter, aux assises nationales d'hier, les tractations se sont prolongées à cause de quelques divergences sur le nombre de députés de l'Assemblée législative de la transition et les quotas des composantes de la nation. C'est ce qu'explique l'ex-CFOB Eddy Kambiogo, en particulier les composantes FDS et OSC ont fait des contre-propositions par rapport au texte de base proposé par la commission technique. Écoutons Eddy Kambiogo au micro de Issa Oumar Ati. Pour ce qui concerne l'Assemblée législative, effectivement, il y avait une proposition de 51 personnes. Et les participants ont estimé que ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant parce que dans la répartition, il y en a des composantes qui ne trouvaient pas satisfaction. Notamment les militaires qui sont composés, qui ont plusieurs groupes, qui ont voulu quand même y participer. Et donc,
Ils ont demandé une augmentation. Les OSC également n'ont pas trouvé complètement satisfaction. Elles ont demandé une augmentation. Nous n'avons pas trouvé d'inconvénient. Par contre, c'est vrai que pour les partis politiques, il y avait 10 membres. Pour l'ensemble des partis politiques, on est revenu à 8 membres. Pour moi, personnellement, ce n'est pas une question de recherche de poste dans un organe législatif de transition. Pour moi, il faudrait que toutes les composantes de la société civile, des forces vives, des partis politiques, donc des forces vives, puissent être conscientes de la situation sécuritaire que nous vivons et accompagner les militaires pour atteindre les objectifs. Les objectifs sont d'abord d'apaiser le pays, vaincre donc le groupe terroriste, sécuriser la zone. Ce n'est pas le lieu de faire des bagarres, parce que tôt ou tard, il va falloir retourner, demander l'assentiment du peuple burkinabé qui ira encore dans les urnes. C'est pour cela que c'est certainement sur des bases subjectives que les répartitions ont été faites. Les seules bases objectives qui permettent de répartir les composantes dans une assemblée nationale, c'est la voie élective. Tôt ou tard, nous y parviendrons si l'ordre constitutionnel est rétabli après la transition. Donc ce n'est pas le moment de faire la bagarre, c'est le moment d'être intelligent et de s'unir pour accompagner la transition pour qu'elle réalise ses objectifs de recherche, la paix dans l'intérêt du peuple burkinabé. Mais au sein de l'ex-CFOP, nous sommes restés unis. Et je pense que deux places, c'est vrai que ça ne suffit pas, on ne peut pas donner deux places à plus d'une vingtaine de partis qui se sont réunis, mais nous trouverons l'intelligence pour faire occuper ces postes-là à deux représentants qui nous rendront compte chaque fois. Un consensus a pu se dégager des assises nationales pour l'adoption et la signature des textes de la transition. Une durée de 3 ans, un gouvernement de 25 ministres et une assemblée législative de 71 membres. C'est ce que fixe la charte de la transition définitive. Daouda Yamego nous en dit plus. Cette signature de la charte de la transition marque la fin des assises marathon de validation des textes de la transition. C'est le président Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a signé au nom de toutes les forces vives de la nation, représentées par 350 porte-parole. Les discussions ont été très franches et je pense qu'au début, nous nous sommes dit rien ne peut prospérer dans la sournoiserie. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se parle. Et je crois qu'on s'est parlé, qu'on s'est dit la vérité. C'est vous dire que les conclusions que nous vous offrons sont vraiment le fruit de tout ce que nous pouvions apporter de mieux. Quelques points ont été des points sur lesquels les discussions ont été assez prolongées. C'est le point sur l'inéligibilité des membres des différents organes de la transition. Naturellement, la manière dont les propositions avaient été faites, c'est aussi une rupture qui était proposée. Tous ceux qui ont participé aux organes ne peuvent pas participer aux élections à venir. Naturellement, c'était une très bonne proposition, mais nous avons nos jeunes qui vont apprendre dans ces organes. Fallait-il ne pas leur permettre de poursuivre un peu cette expérience, et je pense que nous avons essayé d'apporter une solution qui prend en compte cet enrichissement qu'ils auront dans les organes et comment ils peuvent poursuivre sur le terrain. La charte de la transition 2022-2025, deuxième du genre au Burkina Faso après celle de 2014-2015, prévoit que la transition dure 3 ans, que le président de la transition, le premier ministre de la transition et le président du Parlement de la transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielles, législatives et municipales de 2025. Par ailleurs,
le gouvernement de la transition est conduit par un premier ministre civil. Les membres du dit gouvernement ne doivent pas être plus de 25. Le Parlement, qui est l'Assemblée législative de la transition, compte 71 membres, soit une augmentation de 20 membres par rapport à la proposition de la commission technique. De la même façon, les forces vives ont adopté la mesure de la rémunération des députés, contrairement à la gratuité du mandat proposé par la commission technique. Autre sujet pour poursuivre, la grippe aviaire touche 10 régions sur 13 au Burkina Faso, ce qui engendre des pertes énormes pour les éleveurs de volailles qui ne comprennent pas souvent le mode de contamination du virus de la grippe aviaire. Abdoulaye Kinda est allé à la rencontre du fondateur du centre Mira Élevage. Son reportage. Depuis la création du centre de formation de Mira Élevage en 2014, c'est la première fois qu'il constate l'épidémie de grippe aviaire au Burkina Faso. C'est une maladie très contagieuse qui affecte durement l'aviculture. Selon Rasmane Kombem, technicien supérieur d'élevage et enseignant à Mira Élevage, tout aviculteur doit prendre des mesures de biosécurité dès qu'il y a suspicion de cas de grippe aviaire. Et la grippe aviaire est une maladie qui peut quitter de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Donc on appelle en termes techniques une zoonose. Parce que la grippe aviaire est une maladie qui se transmet par exemple surtout avec les oiseaux sauvages. Ça peut quitter d'un animal à travers le vent. Voilà. Mais c'est surtout les oiseaux sauvages qui amènent ces maladies. Donc avant même de construire, d'installer votre bâtiment, vous allez installer un dispositif qui va quand même empêcher quand même l'accès de ces oiseaux-là à l'intérieur de votre poulailler. Donc tout ça, ça rentre dans les mesures de biosécurité. Ces symptômes ressemblent beaucoup plus à une maladie aussi qui est là. À tout moment, cette maladie qu'on appelle la maladie de Newcastle. À vue d'œil comme ça, c'est très difficile de dire que c'est la grippe aviaire. Les techniciens en la matière expliquent qu'il est difficile de pratiquer l'aviculture sans être confronté à la grippe aviaire. Dans ce sens, qu'est-ce que les apprenants en aviculture retiennent du coup de la grippe aviaire? Pour éviter surtout la grippe aviaire, la maladie de poulet, il faut se baser sur le système des mesures de sécurité. Genre, si tu as un poulailler, là où tu as des poulets, bon, tout le monde ne peut pas avoir accès au poulailler. Seulement toi. Mais aussi pour rentrer dans le poulailler, il faut d'abord porter des habits propres. Il ne faut pas aller, par exemple, ça, parce que ça même, ça peut déjà aussi. Si par exemple, la maladie, peut-être, ça se trouve dehors, et vous, par exemple, vous piétinez pour rentrer dans le poulailler, ça peut déjà aussi attaquer le poulet. Et pour éviter aussi la pénétration des oiseaux, il faut encadrer, clôturer avec un grillage pour les empêcher de rentrer. Il faut désinfecter aussi le poulailler. On peut manger, mais pas totalement, parce que souvent, si tu manges aussi, comme tu peux être atteint aussi de la grippe aviaire. Il a dit de bien cuire d'abord avant de consommer. Et s'ils avaient déjà des sujets atteints de la grippe aviaire, ou même qui sont décédés déjà, vous devez peut-être creuser un trou où vous pouvez le brûler, ou bien peut-être vous enfermer avec ça. Ne pas les jeter dans la rue comme ça. Pour le PDG de Mira Élevage, chaque éleveur de volaille doit prendre des précautions de biosécurité. Il ajoute qu'il faut toujours se référer aux services compétents en cas de suspicion. C'est une première fois que nous avons vécu ça en tant qu'acteurs de l'élevage, parce que depuis notre arrivée en 2016, on n'a pas vécu un cas de grippe aviaire. Mmh. Voilà, donc, mais cette année, vraiment, on a fait le constat sur les 13 régions du Burkina et près de 10 régions sont touchées. Et aux alentours de Ouagadougou, il y a beaucoup de fermes qui ont été touchées. Pour les différents éleveurs, c'est de prendre vraiment des précautions, surtout quand ils ont des cas vraiment de suspicion, de faire appel à des services compétents, et surtout le ministère des ressources animales avec les laboratoires nationaux d'élevage pour venir inspecter, voir si c'est un cas de grippe aviaire. C'est aussi de vraiment augmenter les mesures de biosécurité, c'est-à-dire limiter la pénétration des fermes, et les visites si possible, et vraiment baisser les bâches et vraiment maximiser sur le nettoyage et l'hygiène. Donc avec ces mesures-là, je pense que, en tout cas, beaucoup ne seront pas touchés, quoi.
Mira Élevage est un centre de formation spécialisé dans plusieurs filières en entrepreneuriat avicole et agricole. Et puis la campagne nationale de lutte contre la rage édition 2022 vient d'être lancée. Le top départ s'est effectué à la direction provinciale des ressources animales du Houé, basée au secteur 12 à quartier Nieneta de la ville de Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins. La campagne va durer un mois et concerne les animaux de compagnie comme les chiens, les chats ou encore les singes. La deuxième édition de la Grande Foire de Savane Média se tient depuis le 25 février 2022. Cette foire qui fait la promotion des produits locaux accueille un grand nombre d'exposants venus de l'intérieur du pays, mais aussi de pays de la sous-région. Certains exposants se prononcent au micro de Pakisba Mariama Ouedraogo. Je suis Jadine Boulemigou. Nous avons une coopérative qui s'appelle coopérative Sugunuma de Boulemigou. Nous produisons les fraises, salades, choux, carottes, gaba, oignons, céleri, mat, salades de batavia, etc. Et ce que nous avons exposé ici comme plantes, c'est sur hors sol. On a eu des formations sur ça, nous avons formé. Donc c'est pour cela que nous on a appliqué, c'est ça qu'on a ramené ici pour présenter au phare. On n'est pas venu parce que c'est de l'argent, mais c'est pour faire savoir aux gens que les frais, tous les produits que vous voyez là, peuvent se faire à hors sol. Quel que soit si c'est dans le pot, dans les barriques, quel que soit le matière, on peut faire ça dans hors sol. Styliste, modéliste, la marque c'est Yaku Design, en parenthèse rendement belle, depuis Abidjan. Je suis venu à l'occasion de la foire du 8 mars que Savane a lancée. Alors nous avons décidé comme ça de se mobiliser pour venir participer à la foire pour présenter nos œuvres, ce qu'on a pu créer pour nos mamans à l'occasion de la fête de 8 mars. À Abidjan, Burkina, ce n'est pas une messe à faire, mais on peut dire que c'est le même pays. Alors comme c'est mon pays aussi, alors pourquoi ne pas participer à la foire que Savane organise. C'est une invitation et j'ai accepté de venir à la foire. Vraiment, j'ai favorisé beaucoup. Vous voyez tout ce que vous voyez. Tout ça, ce sont des vêtements d'âme. Rondement belle, ça veut dire que les femmes qui sont vraiment en chair, qui se disent qu'ils ne veulent pas s'habiller comme les autres, alors moi, j'habille tout le monde. Chez moi, ici, toutes les femmes sont belles. Et mes prix varient de 12 500 à 15 000 francs au lieu de 25 000 et en allant. Nous sommes venus pour exposer les pains de bonne qualité. C'est des pains antiques. Avec ça, la femme est bien habillée. Et puis, c'est joli à voir. Et on vend ça à 7 000 au bon prix au marché. Nous, on vend ça à 9 000. J'invite les femmes à venir visiter la stand parce qu'il y a des jolis pains. J'ai ainsi la femme habillée avec ça seulement. Elle sera bien habillée et puis respectée. Parce que c'est l'Afrique. Ça vient du Ghana. Et puis c'est la qualité aussi. Je suis venu de Wayugia. Nous exposons des pommes de terre que nous avons produites. Voilà, le prix, nous avons fait le prix à 400 francs. Nous exposons aussi des oignons que nous faisons le prix à 350 francs le kilogramme. C'est demander des gens, comme le nom même de la foire indique, l'exposition des produits locaux. Comme c'est des produits que nous produisons ici, nous invitons en tout cas à la majorité des gens de participer, de venir à la foire, de venir découvrir des produits, des productions du Burkina Faso, si je peux le dire. Parce que nous sommes une coopérative qui produit des pommes de terre. C'est des professionnels maraîchers de Yatenga. Donc nous produisons des pommes de terre. C'est des pommes de terre du Burkina Faso. Quand des gens arrivent souvent, ils demandent est-ce que ce ne sont pas des OGM. Et pourtant, c'est non. Je dis non, c'est nous avons produit. Ce que vous voyez, c'est des variétés.
les deux variétés, ça c'est Atlas, ça c'est Pamina. Ce qui veut dire que vraiment c'est des pommes de terre que nous produisons ici et qui, donc, qui doivent aussi être consommées par les Burkinabés. On vient de la Kossi Nuna, et on vend la pâte d'arachide, le sumbala, le fonio, le couscous de niébé, arachide enrobé, il y a caramel. Voilà. Notre spécialité c'est la pâte d'arachide et on a les pots de 500, pots de 2500 et les pots de 5000, de 7500 et de 25000. Voilà. Pour le fonio, le kilo c'est un et précuit comme non précuit, c'est 1100 francs. Il y a la farine de fonio qui est 1100 francs également. Le couscous qui est 800, couscous de maïs jaune. Le couscous de niébé, ça c'est 1000 francs. C'est fonio. Voilà. Le sumbala, ça c'est 500-500. Caramel aussi, c'est 500-500. Ah, vraiment, notre arachide, on lave proprement. On trie toutes les mauvaises graines avant de tout refaire et puis faire la pâte. Voilà. La qualité, en tout cas, est bien. Il y a l'hygiène, et tout. Voilà. Nous sommes rigoureux pour ça. On a une unité de transformation que l'OCADES nous a construite à hauteur de, bon, aujourd'hui, là, 20 millions et quelques. Voilà. Donc, on a toutes les... On a notre propre machine. Voilà. On écrase là-bas. Voilà. On croit que, vraiment, la propriété y est. Le tour de l'actualité internationale en Guinée, deux leaders politiques, Sélou Dalian Diallo et Sidia Touré, ont dû quitter leur résidence de Conakry hier. Le 15 février dernier, la Direction générale du patrimoine bâti leur avait donné jusqu'à cette date pour quitter ces maisons qui seraient en réalité la propriété de l'État guinéen. Les deux anciens premiers ministres avaient saisi la justice, mais la juridiction saisie s'est déclarée incompétente dans cette affaire. Ils ont donc dû libérer ces résidences au moment où les forces de sécurité commençaient à se déployer. L'Union africaine se dit préoccupée par les traitements que subissent les Africains qui veulent fuir l'Ukraine en proie à l'invasion militaire russe. Dans un communiqué en date d'hier, 28 février, le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Mahamat qualifient de choquant et de raciste le traitement réservé aux Africains qui veulent se mettre en sécurité hors d'Ukraine par les autorités ukrainiennes. Les deux présidents rappellent donc les autorités ukrainiennes que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit. Ils les exhortent à protéger toute personne qui fuit la guerre sans distinction de race ni de nationalité. Page sport. À présent, la finale de la 9e édition du tournoi Maracana, dénommé Coupe Rakire, s'est jouée dimanche sur le terrain du complexe scolaire Le Faso à Saba. Un tournoi qui permet de promouvoir la parenté à plaisanterie à travers le football. La finale a opposé l'équipe des Yatsé à celle des Gourmaché. L'équipe des Gourmaché a remporté le match à l'issue des tirs au but. Daouda Yamego. Des 8 équipes engagées dans la compétition, ce sont les équipes des Yarsé en rouge et des Gourmaché en jaune qui ont décroché leur ticket pour la finale. Les 2 fois 20 minutes n'ont pas permis aux deux équipes de se départager. D'où les tirs au but. L'équipe de Gourmaché s'est montrée plus adroite en battant l'équipe des Yarsé par le score de 1-0. Élisée Somda, capitaine de l'équipe de Gourmaché. Nous sommes vraiment très contents, l'émotion est grande, très immense. Allez. Bon, le courage et la détermination. C'est ça. Selon le promoteur de la compétition Wenengete Kafando dit Jeune Gaz, ce tournoi permet de promouvoir la cohésion sociale et le football au Burkina. Coupe tira ayuma wayla otone savan sirnyar ton wahsirda. Il y a de cela 9 ans que nous organisons la Coupe Rakire. Savan Media et d'autres bonnes volontés m'accompagnent. Cette 9e édition s'est bien passée sans incident. La Coupe Rakire vise la promotion du football des jeunes
et la cohésion sociale. Ami a nerf sur le football là, supporter le sport là, date Burkina Faso football là tient taure. Réellement mes colonies couplées tira, tout le groupe est né. Le parrain Adama Compaoré a félicité les différentes équipes pour le fair play constaté tout au long du tournoi. L'esprit de Rakiré, franchement, on l'a si bien joué et ça s'est bien passé. Il y a eu le fair play et je pense que c'est la cohésion sociale. Ça nous unit davantage et c'est encore meilleur. J'ai trouvé la compétition excellente et je pense que la 10e édition sera plus meilleure que la 9e. Les dames de Coupéla et celles de Zorgo ont également chaussé les crampons pour promouvoir la parenté à plaisanterie par le football. Nous parlons toujours sport. Autre discipline cette fois-ci, le cycliste Paulo Daumont de l'AS Bissel a été victorieux dimanche dernier sur l'avenue Charles de Gaulle. C'était au cours de la 5e édition du Grand Prix 14 de l'animateur et ancien cycliste El Hadj Boubacar Tiamtouri. C'est sa 2e victoire à ce Grand Prix. Daouda Yamego et Zakaria Kabouré ont assisté. Ils sont 74 coureurs de 13 clubs à s'être lancés à la course du Grand Prix 14. Paul Daumont de l'AS Bissel a traversé la ligne d'arrivée en solitaire. Pour le jeune coureur, cette victoire est importante. Elle constitue désormais le pont entre son ancien club au Burkina Faso et son nouveau club en France. Je suis très content d'avoir remporté cette course aujourd'hui. C'était particulier pour plusieurs raisons. C'est une édition que j'avais déjà pu remporter en 2020, le Grand Prix 14. Voilà. Donc forcément, j'avais à cœur de remettre ça. Et normalement, en fait, je devais partir rejoindre mon club en France depuis la semaine passée. Mais lorsque j'ai entendu qu'il y avait la compétition de Monsieur 14, j'ai demandé à mon club français si je pouvais rester encore un peu plus longtemps ici, histoire de faire encore une dernière course avec mon club, l'AS Bissel, histoire de partir sur une bonne note. Donc vraiment, j'avais envie de remporter cette course pour honorer mon club qui m'a amené aujourd'hui où je suis au bout de 3 ans. Donc vraiment, je suis content de gagner ma dernière course sous les couleurs de l'AS Bissel. Selon Baudouin Koudougou, dit jeune premier, l'un des organisateurs, le pari est gagné. Je suis plus que satisfait. C'est une grande joie qui m'anime aujourd'hui d'avoir réussi encore cette 5e édition parce que il est difficile de comprendre 2 personnes comme comité d'organisation d'avoir organisé un tel événement que tout le monde a vécu. Mais pourquoi nous réussissons ? Nous réussissons grâce à beaucoup de personnes. Premièrement, aux partenaires. Deuxièmement, au public sportif. Troisièmement, à la presse nationale. Le directeur général adjoint de la BCB Hubert Léandre Cabré, l'un des parrains de ce Grand Prix, a salué le niveau de la compétition. Pour lui, c'est une occasion pour les coureurs de se mettre en jambe. La BCB a jugé nécessaire d'accompagner cette course pour mettre en jambe les coureurs parce qu'il faut de la compétition et préparer les grandes courses de la sous-région. C'est pourquoi nous avons voulu associer à notre image à cette course pour préparer les coureurs. Les dames étaient également à l'honneur à ce Grand Prix. Sur 21 coureuses qui ont pris le départ, c'est Lamoussa Zungrana de Tema Bokin qui est montée sur la plus haute marche du podium. Cette triste actualité, avant de nous quitter, le pays des hommes intègres a rendu ce mardi un hommage national au défunt président du Conseil constitutionnel Kassoum Kambou, décédé le 19 février 2022 à Paris des suites de maladie. À marge de cette cérémonie présidée par le président du Faso, il a été élevé au grade de la dignité de l'officier de l'ordre de l'étalon par le président du Faso. L'ancien président du Conseil constitutionnel Kassoum Kambou repose désormais au cimetière municipal de Gungin à Ouagadougou. Et c'est ici que se referme ce Savane Soir. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour l'édition de 12h45. L'actualité continue sur Savane TV. Bonsoir.